Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce 24 décembre 2020. Oui, déjà 24 décembre, que le temps passe vite. Je ne sais même plus où était le mois de septembre, où était ce fameux mois de septembre, la rentrée, le 1er septembre, je ne sais pas. Et vous, est-ce que vous savez où il était ce 1er septembre? Où est-ce qu'on prenait la rentrée avec nos chers petits? Bref, c'est pas pour vous décevoir, mais je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année parce que ça va passer quand même, mine de rien, très très vite. On se retrouvera, nous, au mois de janvier, comme tout le temps. On aura les vlogs. On n'aura plus les calendriers de l'Avent puisque j'ai quasiment tout ouvert, les calendriers de l'Avent. Il m'en reste deux demain. Et je les ouvrirai bien sûr avec vous en vidéo et je vous posterai bien sûr la vidéo. Bah oui, eh, je ne fais pas tout en zoom, hein, jusqu'au dernier. J'espère que cette année, ma foi, vous aura plu. Moi, j'ai adoré cette année en votre compagnie. Je vois que vous aimez quand même les vlogs. Et ça, je tenais vraiment à vous remercier. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est pas facile de faire des vidéos, c'est vrai que c'est pas facile de se confier devant une caméra, c'est vrai que c'est pas facile de mettre des mots sur quelque chose qui est des fois pénible, des fois qu'on n'a pas envie, mais qu'on se dit bah, il faut le faire. Voilà. Je ne suis pas obligée du tout de faire toutes ces vidéos, pas du tout. Voilà. Personne m'oblige, mais j'ai envie de le faire parce qu'il y a un moment donné, je voyais que vous étiez dans ma vie antérieure, si je puis dire ça. Je voyais que vous aimiez bien, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas renouveler l'opération cette année. Voilà. J'espère que l'on sera encore plus nombreux cette année 2021 que l'on a été quand même en année 2020. J'espère que la barre quand même des 200 abonnés va pas faire là, mais va faire vite. Voilà. Mes souhaits pour cette année 2021, c'est surtout la santé, parce qu'on en a besoin. Si sans santé, on n'a rien. Continuer à faire mes vlogs, voilà. Et continuer à vous présenter quand même les petits achats que je fais. Vous faire des partenariats, si je peux, bien sûr. Parce que comme je le dis tout au long de l'année, c'est pas simple de faire des partenariats pour une petite chaîne comme moi de 200 abonnés. J'ai récemment fait une demande de partenariat à la société Bisbis, je crois. Un truc comme ça avec une abeille. Si j'ai des bêtises, bah reprenez-moi et vraiment pour demander un partenariat. J'ai jamais eu de réponse. Alors, je leur ai envoyé un mail. Apparemment, l'adresse mail ne fonctionne pas. Je leur ai envoyé un message sur Facebook. Pas de réponse. Donc, j'ai plus qu'à faire des lettres cette année. Et oui, je pense que je vais vraiment faire des lettres cette année pour, du coup, demander si je ne peux pas avoir une collaboration avec cette entreprise-là, Bibis. Je ne sais plus, c'est une entreprise en fait avec une abeille. Et dites-le-moi en commentaire, ce serait cool. J'aimerais vraiment vous proposer vraiment des partenariats, des collaborations, vous montrer en fait des entreprises que on ne voit pas d'habitude. Et puis avec mon petit nombre d'abonnés, au moins ce serait bien. J'aimerais, je vais tout faire pour ça cette année, tout faire. Voilà, je vais essayer du moins de vraiment bouger les fesses pour avoir des collaborations. J'ai récemment envoyé une demande pour une, je vous le dis, je vais être transparente avec vous, pour une charcuterie-boucherie. Voilà, pour essayer un petit peu de les faire connaître. J'ai pas de nouvelles, donc c'est pareil. Bon. Tant pis, après si j'ai des nouvelles pendant l'année, tant mieux. Mais après, tant pis. Voilà.
j'avais envoyé donc des... Alors, je vous le dis, puisque ben, du coup, les courriers sont arrivés il y a déjà bien longtemps. J'avais fait donc des cartes. Ça devait être des... Enfin, c'était des cartes, hein, c'était des styles d'ATC à différentes personnes. Voilà, je recommence un petit peu mon petit courrier, même si les jours et les jours passent et que j'ai pas forcément envie d'écrire, mais je me force quand même parce que je me dis que c'est important et que bah, vous avez quand même participé à des concours, donc il faut quand même un moment donné que je me bouge les fesses, sinon ça sert à rien que je fasse des concours et que je demande de participer. Voilà. Donc voilà pour cette année 2021 qui va pas être simple, il va falloir trouver des astuces. Donnez-moi des astuces, donnez-moi des concepts de vidéos sans forcément aller bien bien loin, puis avec mon petit matériel bien sûr, avec ce que je sais faire bien sûr. Mais pourquoi pas, ouais, donnez-moi par exemple des sujets quoi, par exemple à aborder quoi, enfin, si vous le voulez, après voilà, hein, si vous voulez pas, ben, voilà. J'aimerais bien aussi un petit peu plus vous lire cette année, dans la mesure où j'ai un petit peu plus de retours, de mails, de commentaires. Voilà. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Quand vous n'aimez pas une vidéo, parce que beaucoup ne le font, vous mettez j'aime ou j'aime pas. Moi, j'aimerais bien savoir ça, en fait, pourquoi vous n'aimez pas? Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la vidéo que j'ai publiée? Parce que c'est bien de mettre j'aime ou de dire salut, coucou, ouais, t'as été gâtée, ouais, ok, pas de souci. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Ça, je le demande, mais je le demande, mais à force de demander, je vais avoir les bras qui vont tomber, puis je vais me dire oui, bon, ben voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour cette année 2021 et mes souhaits? D'avoir un petit peu plus d'échanges, ouais. D'avoir un petit peu plus d'échanges, d'avoir la santé, échanges, communication, partenariat. Voilà, j'aimerais que cette année, encore plus que l'année dernière, soit créatif, encore plus créatif que l'année dernière. Alors vous allez me dire, j'ai fait quand même plus de 150 cartes. J'ai fait plus de 150 cartes en 4 jours. C'est pour ça que je ne fais plus de scrap pour le moment. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre. J'ai ma vidéo. Ma vidéo. Non, pas du tout. J'ai toujours mon enveloppe à envoyer pour l'association en Alsace que je n'ai toujours pas envoyée parce que ils sont fermés. Merci Covid. parce que tout simplement, je ne peux pas. Donc, quand je pourrai, je leur enverrai. Mes souhaits seraient qu'un jour, mais ça c'est vrai que c'est pas anodin. Puis après, il faut trouver des gens. Puis il faudrait que les gens soient exactement le même projet que moi. J'aurais envie un jour de monter mon association. Alors, deux choses, parce que ça ferait partie aussi de cette association. J'aurais envie d'avoir une association en fait créative avec plein de scrap là au milieu, d'avoir plein de matériel et puis de pouvoir faire du scrap et voilà, dans un local. Et la deuxième chose, c'est de me dire, j'aimerais en fait, faire une association, mais gratuite, voilà. Et ça, je sais que je vous en avais déjà parlé, mais que c'est toujours dans un coin de ma tête. Après, il faut trouver les personnes aussi qui sont... intéressés par ce projet, qui veulent faire ce projet, et c'est pas tout le monde qui veut le faire.
faut trouver des locaux, faut faire bouger des personnes. Voilà, après, c'est quand même pas simple. Le faire toute seule, ben oui, pourquoi pas, mais en général, il faut être deux, quoi. Donc, après, on peut le faire toute seule, mais bon. Voilà. Après, c'est pas si simple parce que derrière le local, c'est vous avez une chance sur deux ou vous le payez vous si vous avez de l'argent ou vous demandez d'avoir un local si possible gratuit. Bon, en général, avoir un local gratuit, bah faut être avec une autre personne dans un local, donc c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Mais bon, voilà. Voilà mes projets pour. Enfin, alors, l'association n'en parle plus, hein, parce que très clairement, tant qu'il n'y a pas une personne qui me dit. Puis après, donc, faut trouver des personnes, mais surtout, en fait, faut trouver des bénévoles. Et des bénévoles, aujourd'hui, très clairement, il n'y en a plus. Et puis voilà, quoi. Donc, ouais. Donc, voilà mes projets pour 2021. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont se réaliser, puisque faire des cartes, être encore plus créative, ça, il n'y a pas de problème. Après, pour le reste, bien sûr, 2021, ben, ce serait l'occasion d'avoir un contrat. Un contrat définitif, mais bon, ça, je sais que. Je peux toujours me gratter minimum encore pendant 4 ans. Voilà. Et voilà. Quoi vous dire d'autre? Ben, pas grand-chose. Après, on va laisser passer les choses comme elles se passent. Et puis, ben, ma foi, on n'aura peut-être pas le choix de laisser passer les choses comme elles se passent. Voilà. En tout cas, j'espère pour ma part qu'elle sera mieux que cette année. Oui, elle va être mieux. J'ai déjà trouvé trois maisons de retraite pour. Enfin, une maison de retraite qui veut accepter mes décos, donc c'est cool. Je suis très contente de faire des participations comme ça. Et j'espère franchement qu'il y en a de plus en plus qui. Enfin. Après, je sais que c'est toujours du donné, que c'est toujours du gratuit. Je sais que je ne fais jamais payer. Pourquoi faire? Voilà. Ah oui, et puis si aussi. Quelque chose que j'aimerais qu'il se passe cette année 2021, ce serait vraiment que je vende. Parce que j'ai encore mis encore des choses à vendre, que je vais le mettre sur le groupe et que je vais faire une vidéo cette année. Voilà. Pour vous montrer ce que j'ai à vendre. Et j'espère franchement que ça va se vendre. Parce que j'espère que j'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie que ça se mette aux associations, j'ai pas envie que ça se mette au centre de loisirs, j'ai pas envie. Je préfère au moins que ça vous plaise et que vous disiez oui, je l'ai eu pour une modique somme, franchement, que plutôt que je donne tout, quoi. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qui traînent, qui traînent, qui traînent, qui traînent, qui traînent depuis 6-7 ans peut-être. Mais je sais que ça va se vendre, je le sais. Avec un petit peu de persuasion. Je sais que ça va se vendre. Au pire, maintenant, si dans 10 ans je les ai toujours, ben ouais, je donne un livre. Mais bon, voilà. Voilà, ben écoutez, je crois que j'ai un petit peu fait le tour de tout. Mes souhaits pour 2021. J'ai bien envie de dire quelque chose, mais je ne vais pas le dire, puisque si je le dis, je vais. Ça va pas aller. Voilà. Et puis, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. En tout cas, moi, merci. Merci. Et merci d'être là. Merci vraiment parce que, comme je dirais, mais sans vous, ça n'existe pas cette chaîne. Sans vous, il n'y a rien qui se fait. Et moi, je reste dans mon coin à me dire, ouais, bon, bah, attends, je fais mon petit scrap tout tranquille. Et je vois que ça vous plaît. Donc, voilà. Bon, et eh ben moi je vais vous laisser. Je vous souhaite encore une fois de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis, ma foi, avec un grand sourire, à l'année prochaine pour de meilleures aventures.